bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette dernière vidéo de la saison, voire dernière vidéo de l'année, car je vais voir si l'année prochaine je prends ma validation chasse. J'ai d'autres projets, donc il y a des priorités dans la vie, on peut pas tout le temps investir dans le loisir et pas dans les activités professionnelles. Bah écoutez, de toute façon, on va se quitter avec, avec ces quelques images dont je ferai par moment les commentaires. Tout d'abord, un petit tour en pays Qatar chez mon ami Henri Azema, où j'ai pu voir un sanglier, un très très beau sanglier dans cette belle région Qatar. Bon, peut-être un petit peu trop loin. Il va me passer à peu près à plus de... on va dire 100 mètres approximativement en haut à droite de l'écran. Donc vraiment vraiment un beau sanglier qui passe assez rapidement, pas le temps d'épauler, là c'est même pas la peine d'essayer, c'est aller trop vite. Donc on peut le voir au ralenti, vraiment très massif. Le soir on est allé faire un tour, on a vu des sangliers aussi, là ils étaient bien présents par contre. Et effectivement, donc une petite compagnie dans ce pays Qatar avec Henri. On a fait un tour pendant 2 heures en 4x4 dans les petits chemins. Il m'a fait visiter le territoire. C'est vraiment un très très beau territoire. Là, on va reprendre sur une chasse dans l'Isère au chevreuil. Donc j'avais sorti une vidéo où j'avais blessé un chevreuil. J'ai dû le servir. Voilà, donc t'es toujours des moments pas très très évidents à faire, mais bon là pareil, même schéma, même poste, je crois que c'est le poste numéro 13. Bon, décidément pas forcément très superstitieux, mais ça va me refaire le même coup que la semaine d'avant. Voilà. Ah merde. Ah putain. C'est ça? Là. Là. Ça, il y a du sang là maintenant. Ici, sur les feuilles. Là, tu vois. C'est bizarre, ça fait des bulles, on dirait une balle de poumon. Quand il y a des bulles comme ça. Hein? Des bulles? Ouais, là, ici, là. Là. Là, ici, fais gaffe de pas marcher sur la piste. Bon, on se trouve en compagnie de Robert pour une recherche au sang avec Ico qui est là. Ouais, écoute, on va essayer de retrouver le chevreuil. Donc là, j'avais pris l'initiative d'appeler une recherche au sang. J'avais balisé avec du PQ à l'endroit où le chevreuil a été blessé, de façon à repartir sur la piste. Bon, c'est malheureusement, le chevreuil aura parcouru pas mal de kilomètres. Voilà, je crois qu'il a pris par là ce matin. On est allé quand même chercher très très loin et je pense qu'il est reparti blessé, quoi. On l'a jamais retrouvé. Bon voilà, après 2 heures de recherche, eh ben on n'a pas trouvé l'animal. Apparemment, il est parti relativement loin, c'est parti vraiment dans le sale. Hein. Bon, ben c'est pas faute d'avoir essayé, malgré tout. On fait appel à un chien de sang pour la recherche. Bon, ben apparemment, alors moi, il a tracé, hein, c'est sûr que j'ai pas l'habitude. Dans les ronces, je me suis un petit peu esquinté toutes les mains. Mais bon, voilà, ben on a essayé d'aller jusqu'au bout de la chasse. C'est des choses qui arrivent, on retrouve pas, c'est comme ça. Allez, ciao.
Allez, honneur à ma chienne pour ses deux loupés de la saison. Hein. Donc seulement deux loupés au petit gibier. Elle a fait un travail exceptionnel. Là, sur ce coup-là, sur cette matinée, je lui ai pas fait honneur. Bon, ben, ça arrive, ça fait partie de la chasse. Ben, écoutez, je vous laisse regarder le travail de ma chienne. Putain, je me suis fait baiser. Fais bien, Matara. Allez, on va regarder sous un autre angle le travail de Tara. Oh putain, il est pas parti. Deuxième coup. Ah! Allez, sous l'autre angle en caméra de tête. Ah. Arrêt, arrêt. Ah oh, putain, il n'est pas parti. Deuxième coup. Ah! Voilà, c'est ainsi que s'achève cette saison de chasse. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme je disais en début de vidéo, il y a de fortes probabilités que pour l'année qui vient, la saison qui vient, je raccroche un peu les fusils et carabines. Ce n'est pas sûr, je me laisse jusqu'au mois d'août. Je vais en discuter avec mon président de chasse, voilà, de façon à le prévenir. Et puis, de toute façon, je vais les voir bientôt pour leur dire qu'ils me réservent quand même une place. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie à tous de m'avoir suivi durant toutes ces années, ces 5 dernières années d'ailleurs. En espérant que toutes ces vidéos vous auront plu, et comme je vous dis, il se peut qu'on se retrouve peut-être l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de saison de chasse à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.